Il y a des célébrités dont l'âge est une véritable source de spéculation. C'est le cas d'Amanda Lear, qui n'a jamais dévoilé la vérité sur son âge. En plein pendant la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'interprète de Follow Me s'était amusé des rumeurs concernant l'âge de ses artères. Alors que les personnes de plus de 75 ans étaient prioritaires pour recevoir l'injection, Amanda Lear avait publié un cliché où on la voyait se faire piquer. Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme. Grâce au Covid-19, on sait enfin qu'Amanda Lear a plus de 75 ans, ironisait le journaliste Benoît d'Aragon sur Twitter. Blagueuse, l'ancienne muse de Salvador Dali avait expliqué « Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 pour connaître enfin mon âge. » Autre célébrité dont l'âge réel agite les fans, Ariel Dombal. Sur les différentes encyclopédies en ligne, il est indiqué que la femme de Bernard-Henri Lévy aurait 65 ans chez l'un ou 68 ans chez l'autre, une vérité que l'actrice d'Un Indien dans la ville n'avait jamais tenu à rétablir. Du moins, jusqu'au mardi 22 janvier 2019, à l'occasion d'une interview pour Libération. Pour la toute première fois, l'actrice avait accepté de fournir sa pièce d'identité à un journaliste du média, Luc Levaillon. « Vous m'avez fait parvenir la copie de votre passeport pour mettre un terme à la polémique qui vous fatigue sans exagérément vous perturber. Wikipédia prétend que vous avez 65 ans. Je peux témoigner que l'Amérique, pays où elle est née, vous en donne 60 », avait déclaré le journaliste. L'occasion de découvrir qu'Ariel Dombal est née le 27 avril 1958 à Hartford dans l'état du Connecticut. À l'époque de cette interview, la diva avait 62 ans, à en croire nos confrères. Fin du mystère donc. Ariel Dombal fête ses 64 ans ce mercredi 27 avril. L'occasion parfaite de combler de cadeaux l'ancienne candidate de Danse avec les Stars.